La petite française, Jean-Marc Ayrault, Madame la ministre déléguée à la francophonie, Yamina, Kiki, Mesdames et Messieurs les parlementaires français et toute la délégation française, Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs en Thaïlande, Monsieur le ministre des Transports de la Thaïlande, Chachat Pichipan, Monsieur le président du Conseil universitaire de Thammasat Université, Professeur Noronic Setabout, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers collègues, professeurs et étudiants, je suis très honoré aujourd'hui d'accueillir Monsieur le ministre de la République française, Jean-Marc Ayrault, lors de cette visite officielle en Thaïlande, au cours de laquelle il rencontrera notre Premier ministre, Yingluck Shinawat, dans le cadre de sa venue à Bangkok. Monsieur le Premier ministre de la République et sa délégation nous sonnant en choisissant l'Université Thammasat pour y prononcer un discours sous le thème de la relation entre la Thaïlande et la République française dans le contexte des relations entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Nous sommes très reconnaissants de l'honneur qui est fait à notre université. Fondée en 1934, sous le nom de l'Université des sciences morales et politiques, par le professeur Didi Patongyong, qui a fait ses études en France, l'université n'était composée au début que de 4 facultés spécialisées en sciences sociales. Nous avons élargi des disciplines proposées en y incluant les sciences humaines, les sciences exactes et l'ingénierie, les sciences de la santé. Institut de 6 centres d'études régionales. Nos 36 000 étudiants sont accueillis sur le campus principal, le campus historique du centre-ville de Bangkok, où nous nous trouvons aujourd'hui, et le grand campus de la CIP, au nord de Bangkok, dans un parc universitaire qui accueille dans son environnement des écoles d'ingénieurs et le centre de la recherche nationale de Thaïlande. Pour faire vivre cette structure, nous comptons sur 6 000 employés, dont 200 000 professeurs de haut niveau. Le développement des relations internationales est un axe majeur de notre politique universitaire. Pour ce faire, l'Université Thammasat offre des programmes internationaux en anglais et accueille des étudiants, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Nous avons aussi des conventions d'échange d'étudiants avec plus de 200 universités et plus de 40 pays. À part de ceci, nous pouvons évidemment compter des écoles et universités françaises, par exemple l'École de sciences politiques de Paris, l'Université de Caen, Basse-Normandie, l'Université Paris 10, Nanterre, l'École de haute études commerciales de Paris, l'École de commerce de l'Université de Nancy, de la Thaïlande moderne. L'Université Thammasat a toujours été au centre des luttes politiques de l'histoire de la Thaïlande au XXe siècle. Cette visite marque par l'importance de la délégation française une nouvelle étape dans la très ancienne relation entre la France et la Thaïlande. Tous les étudiants et professeurs de Thammasat, en particulier ceux du département de français, ceux de la faculté des arts, ont 6 000 étudiants actuels et le plus de 200 000 anciens étudiants de Thammasat et été choisis ou accueillis au nom des universités thaïlandaises. Ce moment de l'amitié franco-thaïlandaise. Votre venue, Monsieur le Premier ministre, est aussi l'occasion de pouvoir réunir ici ces excellents, les ambassadeurs des pays représentés en Thaïlande, que nous sommes également très honorés de compter parmi nous aujourd'hui. Pour que la communauté universitaire soit au complet aujourd'hui. Je suis sûr que nous trouverons tout ensemble en discussion matière à susciter des idées nouvelles, beaucoup de meilleures compréhension du monde actuel. Monsieur le Premier ministre de la République, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour vos propos d'accueil si chaleureux. Et merci, monsieur le président, monsieur le recteur, de me permettre de m'adresser devant vous
Mesdames et messieurs les professeurs et étudiants de cette célèbre université, je voudrais saluer bien sûr à mon tour les personnalités présentes et le faire avec ceux qui m'accompagnent, Madame la ministre déléguée à la francophonie, Madame Yamina Mekidi, et puis les membres de l'Assemblée nationale, les députés et les sénateurs. Et je voudrais saluer aussi Monsieur l'ambassadeur de France et aussi tous les autres ambassadeurs qui sont présents ici. Monsieur le ministre des Transports, merci d'être là pour représenter votre gouvernement, de m'avoir accueilli hier soir et de m'accompagner tout au long de cette journée en Thaïlande. Et ce qui est le plus important, en effet, monsieur le recteur, c'est de pouvoir m'exprimer devant les forces vives de votre pays. Vous êtes parmi les meilleurs représentants de ces forces vives. Et je le fais en particulier dans une université, là où la jeunesse se forme et est prête et déterminée à jouer un rôle majeur pour l'avenir de son pays, mais aussi de l'ensemble de l'humanité, puisque vous êtes accueillis à l'université d'Amazap. Elle s'est toujours placée à l'avant-garde des réformes, aussi dans les liens particuliers qu'elle a tenu à entretenir avec la France. Vous l'avez rappelé, celui qui l'a fondée en 1934 connaissait bien la France. C'est en effet au cours de ses études dans mon pays que Pridi Banomian a imaginé, paraît-il, dans un petit hôtel de la rue qui s'appelait la rue du Somra à Paris, la réforme constitutionnelle qui aboutira à la mise en place de la monarchie constitutionnelle en Thaïlande. Les détails sont parfois amusants, mais ce ne sont pas toujours des détails. Il y a parfois des rencontres, des circonstances qui font que des idées naissent et qu'elles vont transformer le monde. En tout cas, le lien avec la France a continué. Plus de la moitié des professeurs de droit de Thammasat y ont étudié. Et c'est votre cas, monsieur le recteur. Vous me le rappeliez tout à l'heure, vous êtes venu d'abord en France y apprendre le français. Et vous avez eu ce courage d'aller dans un pays dont vous ne connaissiez absolument pas la langue, peut-être un mot ou deux, mais vous avez d'abord commencé à apprendre votre langue. Vous êtes resté 5 ans. D'ailleurs, la preuve, c'est que les murmures dans la salle français, donc je vous félicite aussi pour votre département de français qui est l'un des plus dynamiques de Thaïlande. Et je voudrais vous exprimer à cette occasion la gratitude de la France. Vous savez combien chaque pays est attaché à sa langue, mais la France... Bon, c'est vrai que si on fait la concurrence avec d'autres langues, nous ne gagnerons pas la bataille du nombre, mais aujourd'hui, l'on compte plus de 220 millions de francophones de parler. Et il y en aura probablement 3 fois plus en 2050, notamment sur le continent africain, dont le dynamisme, notamment économique, se confirme. Et des pays d'ailleurs africains, je pense à l'Afrique du Sud, de langue anglaise, et qui joue un rôle économique et une politique très importante sur le continent africain, et pour pouvoir développer leurs relations avec le reste de l'Afrique, et bien l'Afrique du Sud est un des pays de langue anglaise où on apprend le plus le français. Et même en Chine, ce n'est qu'un des nombreux liens qui nous unissent, ce n'est pas le seul. Nos pays ont d'autres choses en commun, leur taille, leur population, leur organisation administrative, d'autres atouts que vous présentez pour vos voisins, mais aussi pour d'autres pays du monde entier. À ces traits communs s'ajoute un même attachement à l'indépendance, un même attachement au patrimoine, aux traditions, un même goût pour l'art de vivre, qui traduit une certaine idée de l'homme et de la civilisation, et une même volonté de tirer tout le parti de la mondialisation dans le respect de ce que nous sommes chacun d'entre nous. Ça fait d'ailleurs longtemps que Français et Thaïlandais éprouvent une attraction mutuelle. En Asie du Sud-Est, c'est le Siam que nous avons
avec lequel nous avons établi en premier des relations diplomatiques. Dès le XVIIe siècle, avec les fameux échanges d'ambassades du roi Narai et de Louis XIV. Vous voyez, avec le temps, nos liens se sont resserrés. Plus de 20 000 Français vivent dans votre pays et plus de 600 000 s'y rendent chaque année en vacances. 360 entreprises françaises sont installées dans votre pays et souvent depuis des années. Parmi nos grands groupes industriels, rares sont ceux qui n'y sont pas implantés. La Thaïlande est devenue le deuxième partenaire économique de la France en Asie du Sud-Est. Nous sommes le neuvième investisseur étranger dans votre pays. Et d'autres coopérations viennent nourrir notre relation bilatérale. Je pense à la recherche, puisque sont installés en Thaïlande, vous serez les bienvenus, mesdames et messieurs. La formation professionnelle n'est pas moins indispensable au développement économique de nos deux pays. Et je me réjouis qu'un accord de coopération soit justement conclu ce soir. Ils ont en commun d'être des pays de création, attachés à leur identité et à la diversité culturelle. Les artistes de nos pays doivent davantage travailler ensemble et faire naître des projets conjoints. Le 7e art, par exemple, n'est-ce pas, Madame la Ministre ? Pourrait être l'un des domaines privilégiés de cette coopération, de cette création commune entre la France et la Thaïlande, parce que nos deux pays sont des pays de cinéma. Et vous avez même de grands réalisateurs, puisque l'un d'entre eux, Happy Chaponde, a été Palme d'Or au Festival de Cannes de 2010, pour son film Oncle Bonmi. Je ne sais pas si je prononce bien. Mais c'est un film qui parle de fantômes, il ne faut pas que ça vous fasse peur. En tout cas, c'était un magnifique succès. Et je voudrais justement lancer un appel, pas seulement en ma qualité de Premier ministre de la République française, mais aussi en tant que maire, ou en tant qu'ancien maire plutôt d'une très grande ville française, qui est la ville de Nantes, et qui a su développer un important réseau d'échanges internationaux, notamment sur le plan culturel. Je crois que la coopération entre les villes est quelque chose que nous pouvons davantage développer. Elle offre des pistes prometteuses à chacune de nos populations. J'ai appris d'ailleurs que le maire de Brest allait venir très prochainement ici, parce qu'il existe à Brest une rue de Siam. Alors, c'est l'amorce, je suis sûr, d'une relation durable, mais en tout cas, par tout mode d'échange, en tout cas ceux de notre temps. En tout cas, je suis convaincu que ces échanges pourront se développer avec votre pays, mais aussi avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Mesdames et messieurs, les relations bilatérales sont importantes. Mais je pense que l'une des convictions que la France et la Thaïlande partagent, c'est que ces relations bilatérales ne suffisent pas à régler les problèmes qui sont devant nous. L'intégration régionale et la coopération internationale dans le cadre d'une gouvernance mondiale renforcés sont également indispensables. Les équilibres changent, mais les règles du jeu changent aussi. De nouvelles puissances s'affirment, et ces nouvelles puissances, légitimement, veulent avoir leur mot à dire. Et dans un monde globalisé, les États ne peuvent plus à eux seuls défendre leurs intérêts, protéger leurs citoyens et assurer leur prospérité. Cette conviction guide la France depuis l'origine de la construction européenne. Elle s'est forgée à la suite de deux conflits mondiaux particulièrement meurtriers, nés de différends qui ont longtemps opposé les pays européens entre eux, et en particulier la France et l'Allemagne. Eh bien, notre fierté, en France comme en Allemagne, c'est d'avoir bâti sur cette histoire tragique une amitié inébranlable, dont nous venons de célébrer à Berlin le 50e anniversaire. Notre fierté en Europe est d'avoir pris la décision en 1950 de gérer ensemble nos problèmes communs en recherchant toujours l'intérêt des Européens. Et la France et l'Allemagne, par l'exemplarité de leur réconciliation et la force du lien qui les unit, constituent le moteur de cette évolution historique, récemment salué
par l'attribution du prix Nobel de la paix. Naturellement, je me suis rendu compte de cela dans mes différents déplacements, la crise de l'euro inquiète. Et l'inquiète, y compris sur notre continent. Mais cette crise est maintenant dépassée. Ce que je suis venu vous annoncer, c'est un message de confiance. L'Europe a pris des décisions, les décisions nécessaires pour stabiliser la zone euro. Décisions nécessaires pour elle-même, pour l'Europe, pour chacun des membres de l'Union européenne, et d'abord ceux qui font partie de la monnaie unique, mais nécessaires pour le reste du monde. Quand je viens en Asie, c'est mon deuxième déplacement en quelques mois, ou en Amérique du Sud, on me pose cette question. Parce que l'économie du monde, pas seulement l'économie, mais la stabilité politique aussi, dépend de la bonne santé de ce qui se passe sur les autres continents. Eh bien, ce qui se passe en Europe vous intéresse. Eh bien, je le disais, l'Europe a pris des décisions. Nous sommes en train de mettre en place une union bancaire. Nous travaillons depuis juin dernier à l'approfondissement équilibré de l'union monétaire et économique. Les difficultés de nos partenaires les plus vulnérables, je pense à la Grèce, sont en passe d'être surmontées. Le pacte européen pour la croissance et l'emploi est la première étape d'une réorientation de la construction européenne vers la croissance. Et la création d'une monnaie commune, d'une monnaie unique, ce fut une première historique. Mais lorsque cette décision a été prise, peut-être que nous avons sous-estimé les conséquences des disparités économiques entre États membres et pensé un peu vite que la création de l'euro suffirait à elle-même, en elle-même, à faire converger les économies européennes. Mais ce qui est important, c'est de savoir tirer les leçons de l'histoire, mais de ne pas regretter ce qui s'est passé. Parce que quand l'euro a été décidé, l'Europe traversait une période d'incertitude. C'était la fin de l'Union soviétique, l'effondrement de tout le système communiste, non seulement de l'Union soviétique, mais de ces pays de l'Europe de l'Est, pendant 50 ans sous le joug de la dictature. Et c'était la fin de l'Allemagne divisée, vision symbolisée par le mur de Berlin qui s'était effondré. Et ces images, vous les avez, vous aussi, en mémoire. Elles sont extraordinaires. Mais elles ont déstabilisé ce qui existait. Et c'est toute l'intelligence des dirigeants politiques de l'époque. Je pense à deux d'entre eux, François Mitterrand pour la France, Helmut Kohl pour l'Allemagne, qui ont compris qu'il fallait, au-delà de la nécessaire et juste réunification de l'Allemagne, stabiliser la situation politique, et c'était d'abord la première urgence. Que pour ça, il fallait reconnaître les frontières, notamment de l'Allemagne, non pas avec la France à l'ouest, mais à l'est, avec la Pologne, ce qui fut fait, et ce qui était un élément très fort de stabilité politique. Mais en même temps, une volonté aussi d'ancrer l'Allemagne réunifiée, agrandie, et aussi les autres démocraties retrouvées, à l'Europe. Et donc le choix de créer une monnaie unique a d'abord été un choix politique. C'est pour cela qu'il ne faut pas le regretter, bien sûr, au contraire, même s'il y a des choses à changer et à améliorer, ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire tout faire pour consolider cette construction historique unique qui est celle de pays qui se sont affrontés, comme je le rappelais tout à l'heure, et qui ont fondé une zone de paix et de liberté depuis 60 ans. Eh bien, cela n'empêche pas, malgré les améliorations qu'il faut apporter, que l'Europe est la première puissance économique de la planète. La première puissance commerciale de la planète. Donc, on voit bien que l'intérêt que vous nous portez, si loin, est à la fois un intérêt politique, la stabilité du monde, mais aussi un intérêt économique et un intérêt aussi de construire un monde nouveau, mais un monde stable et équilibré et porteur de réponses à la question que se pose la jeunesse du monde, c'est-à-dire quel est l'avenir que l'on lui propose. En tout cas,
Cette Europe permet de faire vivre ensemble 500 millions d'Européens dans 27 pays et bientôt 28 États membres. Et c'est pour ça que, en même temps, nous sommes tournés vers le reste du monde. Et nous sommes attentifs à ce qui se passe aussi chez vous. Nous soutenons avec force la volonté de l'ASEAN, et en particulier de la Thaïlande, de construire sa propre intégration régionale. Votre projet de communauté économique prévu pour 2015 est prometteur. Sa réalisation annonce davantage de croissance, davantage de débouchés, davantage d'investissements en Asie et au-delà. Plus encore, toutes les coopérations que les États de l'ASEAN pourront nouer dans tous les domaines seront utiles. En tout cas, le soutien de la France vous est acquis. Vos initiatives dans le domaine de la sécurité régionale sont essentielles, car il ne saurait y avoir de prospérité sans apaisement des tensions. Sur ce sujet également, mon pays est prêt à partager son expérience. Au-delà, c'est à l'échelle du monde que la France et la Thaïlande, qui sont des acteurs responsables sur la scène internationale, doivent agir ensemble. Aux enjeux mondiaux, nous devons apporter des réponses globales. La crise majeure que nous traversons depuis 2008 en offre un premier exemple. Il ne faut pas seulement atténuer les effets, rétablir la confiance, retrouver la croissance. Il faut également prendre les mesures qui éviteront les rechutes, sans quoi les causes d'hier provoqueront les crises de demain. Ce n'est pas que par une action concertée dans le cadre des instances internationales telles que le G20, que nous établirons les nouvelles règles dont le monde a besoin et que nous réduirons les grands équilibres qui sont à l'origine de la crise. Oui, en effet, il faut résister à cette tentation qu'à chaque crise, à chaque changement qui nous tente, c'est la tentation du repli sur soi, une forme de nationalisme. Le protectionnisme serait ruineux, mais la concurrence déloyale, elle est aussi ruineuse. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne souhaite fonder ses relations avec les régions telles que l'Asie du Sud-Est sur le principe du juste échange, sur le principe de la réciprocité. Ce juste échange doit devenir un principe cardinal du commerce mondial. C'est la nouvelle stabilité qui nous appartient de construire. Et puis, il y a un autre grand chantier qui nous est commun. C'est la lutte contre le changement climatique, qui est un autre domaine où il n'y a pas d'autre choix que l'action collective. La Thaïlande, comme d'autres pays, en subit déjà les effets. Elle n'a pas besoin d'être convaincue, je le sais. C'est dans cet esprit que la France a proposé d'accueillir la négociation internationale sur le changement climatique en 2015, avec un objectif qui est de mettre en place un nouveau régime international. Eh bien, je compte sur votre soutien, celui de votre pays, mais aussi sur celui de la jeunesse thaïlandaise, pour que nous puissions ensemble franchir cette nouvelle étape. Je sais que c'est difficile parfois, et en particulier pour les pays qui se développent. J'étais il y a un peu de temps à Santiago du Chili où la rencontre entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe. Cette question a été abordée. Et un pays parmi les plus pauvres a dit oui, mais nous subissons aussi les conséquences d'un certain modèle de production économique. Nous n'avons pas toujours choisi et que parfois on nous a imposé. Et donc il y a des choses à changer. Chacun a à changer. Le modèle économique, le modèle de production. Mais même si certains ont plus d'efforts à faire que d'autres, c'est une cause collective, c'est une cause mondiale et nul ne pourra échapper à ses devoirs et à ses responsabilités. En tout cas, je sais que c'est une des préoccupations des jeunes générations. Parce qu'évidemment, les jeunes générations, la jeunesse pense à son propre avenir, l'avenir individuellement, penser, l'emploi, la qualité de vie, le niveau de vie, mais eux aussi espérer un monde plus juste, meilleur, plus fraternel, plus sûr, plus protecteur, pas seulement pour soi-même,
mais aussi pour la planète. Donc c'est une belle cause, j'allais dire, pour certains utopistes, idéalistes, mais il faut des causes idéalistes et utopistes qui donnent du sens à l'engagement personnel. Enfin, vous savez l'importance que la France attache à la solidarité internationale. Les ressources manquent. Pour épargner aux plus pauvres le sous-développement, la malnutrition, les grandes pandémies, la communauté internationale doit continuer à se mobiliser, notamment pour mettre fin à la volatilité des prix agricoles, à la spéculation sur les matières premières. L'aide au développement doit également trouver de nouveaux financements. Là aussi, l'Europe montre la voie avec la mise en place d'une taxe sur les transactions financières, qui a été décidée par 11 États membres, dont la France et l'Allemagne, dans le cadre d'une coopération renforcée et dont une partie sera consacrée à l'aide au développement. Mais l'aide au développement, c'est aussi lutter contre la spéculation financière. C'est lutter contre les paradis fiscaux. Voilà encore tant de causes, tant de sujets qui méritent notre engagement, l'engagement de nos États, de nos gouvernements, mais aussi l'engagement de nos concitoyens. Chacun a sa part à prendre, en tout cas sur tous ces sujets. La France et la Thaïlande, l'Union européenne et l'ASEAN ont vocation à travailler ensemble à la recherche de solutions ambitieuses aux problèmes de notre temps. L'excellence de nos relations bilatérales, le dialogue entre nos deux peuples, votre enthousiasme sont autant d'atouts qu'il nous appartient de mettre à profit pour bâtir un monde plus juste, plus sûr, plus prospère, plus généreux, plus fraternel. C'est le dessein que je vous propose et que nous puissions ensemble, j'en suis sûr, atteindre. Tous les deux peuples, le peuple français et le peuple thaïlandais. Je vous remercie. Nous remercions M. Chandra-Hérault pour son discours. Je vais s'assurer de savoir il y a des coopérations entre des grandes villes françaises et des grandes villes asiatiques. Merci. Et la réaction, vous voyez, elle est assez vite. C'est bien la preuve que beaucoup d'entre vous comprennent le français. Oui, la France veut se montrer plus accueillante aux étudiants étrangers. Il y a eu dans le passé une approche un peu frileuse, restrictive, et le gouvernement a pris des décisions pour faciliter, dans le respect bien sûr du droit, l'accueil des étudiants étrangers. Beaucoup d'universités françaises le souhaitent, leur proposer aussi des conditions d'accueil qui soient favorables, qui ne soient pas matérielles, pour pouvoir réussir des études. C'est un atout pour les jeunes eux-mêmes, dans d'autres pays, donc c'est vrai pour les jeunes thaïlandais. Il y a à peu près 1000 étudiants aujourd'hui venant du Thaïlande en France, c'est trop peu. Comme il y a beaucoup, très peu d'étudiants français ici. Donc, c'est l'idée d'échange. Donc, vous me posez la question au chef du gouvernement, je vous réponds favorablement. Je poserai la question à votre première ministre quand j'aurai
des entretiens avec elle. J'ai déjà eu le plaisir de la recevoir à Paris il y a 6 mois. Et le hasard a fait que nous sommes plutôt ainsi côte à côte hier à la cérémonie de création, de crémation du roi Norodom Sihanouk. Nous avons commencé un peu à discuter. Mais nous aborderons ces questions aussi. Vous avez aussi évoqué, les relations de ville à ville. Moi, j'encourage vraiment, si on veut construire des relations durables, monsieur le président de l'Alliance française de ville à ville, ça a permis énormément, surtout après la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation franco-allemande, par exemple, quand les gens se connaissent. Donc, moi, j'encourage les échanges de ville à ville. Je vais citer le cas de Brest, mais il y a trop peu encore qui préside aussi les groupes d'amitié. France-Thaïlande, ou comme hier France-Cambodge, le député de la circonscription, la grande circonscription de Mariani, vont avec mes collègues, Catherine Pascal, Catherine Thierry, Vincent Hédé, faire cette contribution, j'en suis sûr. Je leur lance un appel pour nous aider. Après, vous m'avez parlé de Twitter. Bon, Internet, c'est une formidable liberté. Il y a des pays, par exemple, où il n'y a pas de liberté de la presse, et à titre individuel, on se sert d'Internet pour communiquer. Donc c'est une liberté, c'est une formidable invention. Alors une liberté, c'est comme toute liberté, elle conduit aussi à respecter un certain nombre de devoirs. Et c'est vrai que ça nécessite parfois, c'est simplement, de la régulation. Mais pas d'atteinte à la liberté fondamentale. Et on sait que certains pays, s'étant rendu compte que malgré toutes les contraintes qu'ils mettaient à la liberté de la presse et la liberté d'opinion, qui permet que les opinions publiques se constituent dans une vraie démocratie, et bien que malgré cette atteinte à la liberté de la presse, des citoyens de ces pays se servaient d'Internet pour communiquer, s'exprimer et stopper Internet. Donc, évidemment, ce n'est pas ma conception et ce n'est pas la conception de la France. La seule chose qu'il faut trouver et inventer, c'est la régulation et empêcher effectivement que des atteintes à la personne humaine, aux valeurs fondamentales, et tout ce qui peut dégrader les valeurs fondamentales de la personne humaine, je pense au racisme, aux atteintes, au sexisme, à tout ce qui dégrade la personne humaine, doit être combattu. Donc c'est là qu'il faut trouver des réponses. Après, les autres sujets que vous avez évoqués relèvent évidemment de la législation de chaque pays. Et je ne connais pas cette question, en tout cas en France, ce pays n'existe pas. Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Oui, nous voulons absolument encourager les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Asie. Alors, ce que nous sommes en train de faire avec la Thaïlande et peut-être avec d'autres pays, l'ASEAN pour l'instant n'est pas suffisamment constitué pour qu'on imagine ce type d'accord, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces accords négociés doivent être profitables aux deux parties. Donc ce sont des accords équilibrés sur la base du principe du juste échange et de la réciprocité. Mais là où ils existent, là où ils ont été bien négociés, de façon équitable, à chaque fois, nous pouvons constater qu'ils créent une dynamique de part et d'autre. Ils renforcent la croissance économique et donc la création d'emplois et de valeurs ajoutées. Alors il y a des moments, des étapes d'évaluation. S'il y a des corrections à apporter, des mécanismes de sauvegarde doivent jouer, si les règles de départ ne sont pas entièrement respectées. Mais lorsque c'est fait, c'est tout à fait convaincant. Donc, nous continuons à travailler dans cette direction. Ensuite, Schmitz,
ces personnes à monter sur l'estrade pour une photo de, en groupe. Alors j'invite d'abord Monsieur le Premier ministre de la République française, bien sûr, Monsieur le ministre des Transports de la Thaïlande, Votre Excellence, ambassadeur de France en Thaïlande, Monsieur le Président qui est déjà du Conseil de l'Université qui est déjà sur l'estrade, Monsieur le Recteur, Madame Nitinan, l'attachante aux relations internationales. J'exprime nos sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre de la République française et sa délégation pour nous avoir honorés de leur visite. Nous exprimons également notre reconnaissance pour leur présence aux excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Royaume de Thaïlande, Mesdames et Messieurs.